Alors, on vient de découvrir du gui, hein. Regardez, comme c'est naturel. Ouais, il y a du vent, je sais. On peut pas faire autrement, regardez-moi ça, c'est joli. Ouais, on va en prendre un petit peu. C'est joli, il y en a plein, cet arbre, il en est plein. Là-haut aussi. Super beau. Ouais, en me promenant, je viens de découvrir, dans ce petit coin de nature, là, un mec qui a laissé ça, c'est abandonné. Et c'est pas mal quand même, le mec, il a foutu ça, il s'est fait une sorte de petite remorque. Et c'est pas mal du tout, c'est quand même bien foutu, cette espèce de barbecue. Il est pas mal. Alors le problème, en plus, il a une flèche, putain, c'est enterré depuis un moment, là. Merde. Tu vois, il y a la flèche, là, pour accrocher. J'ai la boule sur le camping-car. Mais le problème, c'est que je passerai jamais en camping-car là. Et je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Parce que c'est quand même pas mal. Ça fait un méchant barbecue que tu peux refermer. Il a tout fait pour, hein, le gars. Hein, avec le crochet. On va voir de l'autre côté. C'est quand même con parce que le mec, il s'est quand même donné du mal pour faire ça. Je sais pas trop si c'est roulable, si c'est déplaçable. Le problème, c'est que j'ai trouvé ça, mais c'est à une heure de Neverland. Je sais pas trop si je pourrais le ramener. Je vais essayer de voir. Oui. Il serait pas difficile à déloger. Hein. Il est un peu enterré à ce niveau, mais en le bougeant, on voit que... Après, voilà, est-ce que c'est possible de circuler avec ça, là? Parce que c'est pas trop. Bon, déjà les pneus, faut peut-être les regonfler un peu. Donc il a soudé, hein, direct. Ouais. C'est pas mal du tout ce petit barbecue quand même. Enfin, c'est pas un petit barbecue, il est grand. Hein. C'est con un truc qui est abandonné comme ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je tente de le récupérer ce truc ou est-ce que je laisse tomber? On va peut-être essayer. Si c'est pas possible, ben ça sera pas possible. Bon, après vérification, la flèche elle est un peu fracassée. Faudrait le trimballer en fait dans un fourgon ou un truc comme ça, une fourgonnette. J'ai pas accès à ça. Mais de toute façon, le déplacer, circuler avec, ça va pas le faire du tout. Donc je sais pas si je peux trouver un pote qui a ça, qui a un fourgon pour le déplacer, parce que ça serait le seul moyen. En tout cas, voilà, je vais voir ça, parce que c'est quand même, ça aurait été quand même sympa de le récupérer, ce vieux barbecue. Ça peut être sympa. À suivre.